Bonjour. Cet exercice concerne essentiellement la dérivée de la fonction composée. Soit f une fonction dérivable sur l'ouvert moins A1, vérifiant f de 0 égale 0, et pour tout x de l'ouvert moins A1, f' de x égale 1 sur racine de 1 moins x2. Première question. On considère la fonction phi définie sur moins A1 par phi de x égale f de x plus f de moins x. On va montrer que phi est dérivable sur moins A1 et on va calculer phi' de x. On va en déduire après que la fonction f est impaire. Puis on va considérer la fonction g définie sur moins pi sur 2 pi sur 2 par g de x égale f de sinus x. On va montrer que g est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2. On va calculer g' de x et en déduire que g de x est toujours égal à x. Enfin, on va pouvoir calculer f de 1/2, f de racine de 2 sur 2 et f de racine de 3 sur 2. Donc on va commencer par la première question. La fonction phi est définie par phi de x, c'est f de x plus f de moins x. On veut montrer que phi est dérivable sur moins 1. Déjà, on sait que f est dérivable sur moins 1. Donc, il va falloir démontrer que la fonction qui à x associe f de moins x est dérivable sur moins 1, elle aussi. Parce que phi, c'est la somme de deux fonctions qui vont être dérivables, donc phi sera dérivable. Comment montrer que la fonction qui à x associe f de moins x est dérivable? Eh bien, on va utiliser le théorème de la dérivée de la fonction composée. Parce que f de moins x, on prend x dans l'intervalle moins 1, 1, on calcule moins x qui est dans l'intervalle moins 1, 1, puis on lui applique f. Donc ici, on trouve f de moins x. Donc on va dire que la fonction qui a x associe moins x est dérivable sur l'ouvert moins 1 et moins x appartient à moins 1. Comme f est dérivable sur l'ouvert moins 1, alors la fonction qui à x associe f de moins x est dérivable sur l'ouvert moins 1. C'est une composée de fonction dérivable. Et par suite, cette fonction est dérivable, f est dérivable, donc phi est dérivable sur l'ouvert moins 1, c'est une somme de fonctions dérivables. Voilà la dérivabilité. Maintenant, pour x de l'ouvert moins 1, comment je vais calculer phi' de x? Eh bien, phi, c'est la somme de deux fonctions dérivables. La dérivée, on effectue la dérivée de la somme. Donc, c'est f' de x plus la dérivée de f de moins x. Donc, c'est la dérivée du composé. La dérivée de f de moins x, c'est la dérivée de f en moins x multiplié par la dérivée de moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. F' de x, c'est 1 sur racine de 1 moins x2. Moins la dérivée de f en moins x, donc je remplace x par moins x. Donc moins 1 sur racine de 1 moins moins x. Au carré, c'est x2. Et ça fait 0.
Donc pour tout x de moins 1, phi prime de x est égal à 0. Alors, une fonction, la dérivée est nulle sur tout l'intervalle moins 1, ça veut dire que cette fonction est constante. Une fonction, la dérivée est nulle, il n'y a que les fonctions constantes. Conclusion, il existe une constante C dans R telle que pour tout x de l'intervalle moins 1, phi de x égale C. Phi, c'est une fonction constante. Bien. Je calcule phi de 0. Phi de 0, c'est f de 0 plus f de 0. F de 0, c'est 0. Donc, phi de 0, c'est 0. Une fonction constante et l'image de 0, c'est 0, ça veut dire que cette constante est nulle. Donc, C égale 0. La conclusion, c'est que pour tout x de l'intervalle moins 1, phi de x égale 0. Et phi de x égale 0 veut dire f de x plus f de moins x égale 0. Alors, pourquoi est-ce que f est impair? Eh bien, c'est à partir de cette égalité. On va dire que pour tout x de l'intervalle moins 1, on a moins x qui appartient à moins 1, et f de moins x égale moins f de x. Donc f est impair. Voilà. On passe à la deuxième question. On considère la fonction g définie sur moins pi sur 2 pi sur 2 par g de x égale f de sinus x. F de sinus x, donc on va prendre x dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. On calcule d'abord sinus x, puis on applique f. Pour pouvoir appliquer f, comme f est défini sur moins 1, il faut s'assurer que sinus x appartient à l'ensemble de définition de f, c'est-à-dire moins 1, pour pouvoir composer et obtenir la fonction g. Eh bien, on sait que si x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, x est là. Sinus x est entre moins 1 et 1, x étant différent de moins pi sur 2, sinus x n'est pas égal à moins 1, x est différent de pi sur 2, sinus x n'est pas égal à 1. Donc sinus x appartient bien à l'ouvert moins 1. Donc la composée est bien définie. Ce qu'on veut faire, c'est montrer que g est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2. Eh bien, on va appliquer aussi la dérivée de la fonction composée. On va commencer par la première fonction. On va dire que la fonction qui a x associe sinus x est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2, puisqu'elle est sur R en entier. Et pour tout x de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, de l'ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, on a sinus x entre moins 1 et 1 dans le sens strict. Comme f est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1, alors la composée, c'est-à-dire g, est dérivable sur moins pi
sur 2 pi sur 2. C'est une composée de fonctions dérivables. Et la dérivée de g, comment on la calcule? C'est la dérivée de f de sinus x. Donc f de sinus x de tout prime. Et la dérivée de la composée, c'est la dérivée de la fonction f en sinus x multipliée par la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cosinus x. La dérivée de f en sinus x, donc dans l'expression de la dérivée ici, au lieu de prendre x, on remplace x par sinus x. Donc ça fait 1 sur racine de 1 moins sinus carré x multiplié par cosinus x. 1 moins sinus carré x, c'est cosinus carré x. Donc 1 sur racine de cosinus carré x, c'est valeur absolue de cosinus x. Seulement, x étant entre moins pi sur 2, pi sur 2, cosinus x est un nombre positif, strictement. Donc cosinus x est strictement positif, sa valeur absolue, c'est cosinus x. Donc 1 sur cosinus x fois cosinus x, c'est 1. Donc conclusion, pour tout x de moins pi sur 2, pi sur 2, g' de x est égal à 1. G' de x est égal à 1, ça veut dire g de x, c'est quelle fonction? Une fonction dont la dérivée c'est 1, ça ne peut être que x, à une constante additive près. Donc x plus constante, c'est une constante. Comment déterminer cette constante? Eh bien, on va calculer g de 0. G de 0, c'est f de sinus 0. Sinus 0, c'est 0, et f de 0, c'est 0. G de 0, c'est 0 plus c. C'est 0, c'est-à-dire c égale 0. Conclusion, pour tout x de l'intervalle moins pi sur 2, g de x égale x. C, c'est 0, g de x est égal à x. C'est-à-dire, f de sinus x, c'est toujours égal à x. Pour finir, calculer f de 1/2, f de 1/2, c'est f de 1/2, c'est sinus pi sur 6. F de sinus pi sur 6, c'est-à-dire g de pi sur 6. Pi sur 6, eh bien, dans l'ensemble de définition de g, c'est entre moins pi sur 2, pi sur 2, et g de pi sur 6, c'est pi sur 6. Donc f de 1/2, c'est pi sur 6. Si je veux calculer f de racine de 2 sur 2, c'est f de sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. F de sinus pi sur 4, f de sinus pi sur 4, comme pi sur 4, c'est entre moins pi sur 2, c'est g de pi sur 4. Et g de x, c'est toujours égal à x. Donc g de pi sur 4, c'est pi sur 4. Et enfin, f de racine de 3 sur 2, c'est f de sinus pi sur 3, c'est g de pi sur 3, c'est pi sur 3. Voilà. Cet exercice concerne la dérivée de la fonction composée et il repose sur une lecture graphique. On donne deux fonctions f et g.
la fonction f est dérivable sur moins 3, 1. L'image de moins 3, c'est 3. L'image de 1, c'est 3. L'image de moins 2, c'est 0. L'image de moins 1, c'est moins 1, avec une tangente horizontale ici, donc dérivée nulle. L'image de 0, c'est 0. Pour la fonction g est dérivable sur moins 1, 3. G de moins 1, c'est racine de 2. G de 0, c'est 1, avec une tangente horizontale. Et g de 3, c'est racine de 10. Donc, on donne la fonction f décroissante sur moins 3, 1, moins 1, et croissante sur moins 1, 1. La fonction g est décroissante sur moins 1, 0, puis croissante sur 0, 3. On veut montrer que la fonction g en f est dérivable sur moins 3, 1, avec les hypothèses que je viens d'énoncer, et on va dresser le tableau de variation de g en f. Pour montrer que g en f est dérivable, g en f, on voit que c'est une composée de deux fonctions, donc f et puis la fonction g. F est dérivable sur moins 3, 1, fermé. Je sais que la fonction g est dérivable sur moins 1, 3. Donc pour que la composée g en f soit dérivable sur moins 3, 1, il faut que l'image de l'intervalle moins 3, 1 soit inclue dans l'intervalle moins 1, 3. Donc l'image de l'intervalle moins 3, 1, il faut qu'il soit là-dedans. Eh bien, on va dire que f est dérivable sur l'intervalle moins 3, 1, et pour tout x de l'intervalle moins 3, 1, f de x, alors je regarde ici, l'image de l'intervalle moins 3, 1, c'est l'intervalle moins 1, 3. Donc f de x appartient à moins 1, 3. Comme g est dérivable sur moins 1, 3, alors g en f est dérivable sur l'intervalle moins 3, 1, parce que c'est une composée de fonctions dérivables. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va calculer le signe de la dérivée de g en f. Donc, pour tout x de l'intervalle moins 3, 1, je calcule la dérivée de g en f de x. Puis, on va voir son signe. La dérivée de g en f, c'est la dérivée de g en f de x multipliée par la dérivée de f en x. Comment étudier le signe de ce produit? Donc je vais commencer par étudier le signe de f' de x, puis le signe de la dérivée de g en f de x. Donc, d'abord, quand est-ce que f' de x est égal à 0? Je m'occupe du signe de f'. F' de x est égal à 0, c'est-à-dire une tangente horizontale, c'est en moins 1. F' de x égale 0 équivaut à x égale moins 1. Maintenant, quand est-ce que f' de x est strictement positif ou quand est-ce que c'est strictement négatif? F' de x strictement positif, c'est-à-dire la fonction f strictement croissante. F' de x est strictement positif,
f strictement croissante sur l'intervalle moins 1 à 1. Donc, équivaut à x appartient à moins 1 à 1. On ne prend pas 0 parce qu'en 0, la dérivée est nulle. On ne prend pas moins 1, pardon, parce qu'en moins 1, la dérivée est nulle. Donc, ceci nous donne le signe de f'. Le deuxième point, le signe de la dérivée de g en f de x. Donc, je commence par la dérivée de g en f de x égale 0. Alors, quand est-ce que la dérivée de g s'annule? Voici la courbe de g. La dérivée s'annule, c'est-à-dire une tangente horizontale, c'est en 0. Donc, la dérivée de g en f de x égale 0 lorsque f de x est égal à 0. Et f de x, quand je regarde la courbe de f, f de x s'annule en moins 2 et en 0. C'est-à-dire x égale moins 2 ou x égale 0. Maintenant, quand est-ce que la dérivée de g en f de x va être strictement positive? Donc, si et seulement si, f de x, il est où? La dérivée de g est strictement positive, g est strictement croissante. G est strictement croissante sur 0,3. Donc, la dérivée de g est strictement positive lorsque f de x appartient à 0,3. 3 fermé, 0 ouvert, parce qu'en 0, la dérivée de g en 0, elle n'est pas strictement positive, elle est nulle. En 0, la dérivée est nulle. Maintenant, f de x appartient à 0,3. Pour quelle valeur de x est-ce que l'image de x par f est entre 0 et 3? F de x ici. F de x est là-dedans. Lorsque x est entre moins 3 et moins 2, lorsque x est entre moins 3 et moins 2, l'image c'est entre 0 et 3. Donc x appartient à l'intervalle moins 3 jusqu'à moins 2. Moins 2, il est ouvert parce que l'image de moins 2, c'est 0 et on ne veut pas que f de x soit égal à 0. Ou f de x est entre 0 et 3 lorsque x est entre 0 et 1. 0, on ne le prend pas. Donc, où x appartient à 0, 1. Ceci nous donne le tableau de variation. X, la dérivée de g en f, son signe, puis le sens de variation de g en f. X varie de moins 3 à 1, g en f est défini sur l'intervalle moins 1, 1. Les valeurs qui m'intéressent, ce sont les valeurs moins 1, moins 2 et 0. Donc moins 2, moins 1 et 0. Pour étudier le signe de g en f, je commence par le signe de f' de x, puis le signe de la dérivée de g en f de x, puis la dérivée de g en f en x, puis le sens de variation de g en f. Alors pour le signe f' de x s'annule en moins 1. Donc ici, f' de x est nul en moins 1. F' de x est strictement positif lorsque x est entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1, la dérivée est strictement positive. Donc ailleurs, c'est strictement négatif. La dérivée de g en f de x, ça s'annule en moins 2 et en 0. La dérivée de g en f de x s'annule en moins 2 et en 0.
La dérivée de g en f de x est strictement positive lorsque x est entre moins 3 et moins 2. Donc entre moins 3 et moins 2, la dérivée de g en f de x est strictement positive. Ou bien x entre 0 et 1. Ou bien x entre 0 et 1. Donc ailleurs, le signe, c'est négatif. Le produit, ici c'est à moins 0 plus 0 moins 0 et plus. Donc la fonction décroît, elle croît, elle décroît, puis elle croît. Pour finir le tableau de variation, on va écrire les limites ou les valeurs ici qui correspondent. Donc on va calculer g rond f de moins 3. Donc g rond f de moins 3, c'est g de f de moins 3. F de moins 3, c'est 3. Et g de 3, je regarde la courbe de g. G de 3, j'ai dit racine de 10. Donc ici, g rond f de moins 3, c'est racine de 10. G rond f de moins 2, c'est g appliqué à f de moins 2. F de moins 2, voici la courbe de f, f de moins 2, c'est 0. Et g de 0, c'est 1. Donc ici, c'est 1. En moins 1, g rond f de moins 1, c'est g de f de moins 1. F de moins 1, c'est moins 1. Et g de moins 1, c'est racine de 2. Donc en moins 1 ici, c'est racine de 2. G rond f de 0, c'est g de f de 0. F de 0, c'est 0. Et g de 0, c'est 1. Enfin, g rond f de 1, c'est g appliqué à f de 1. F de 1, c'est 3, donc c'est g de 3, et g de 3, c'est racine de 10. Voici le tableau de variation de g, rond f. Alors, dans la deuxième question, on nous dit, en fait, f de x, c'est x2 plus 2x. Et si vous étudiez cette fonction, sa courbe, c'est une parabole. La dérivée, c'est 2x plus 2. Elle s'annule en moins 1. Et c'est, ceci est une portion de la courbe de la fonction f. Et g de x, c'est racine de x2 plus 1. Donc la fonction g, en fait, si je définis la fonction racine de x2 plus 1 sur R, sa portion sur l'intervalle moins 1, 3, ça correspond à ce tracé. Expliciter g rond f de x. Donc, x appartient à l'intervalle moins 3, 1. G rond f de x, c'est g appliqué à f de x. C'est g appliqué à f de x, c'est x2 plus 2x. G appliqué à x2 plus 2x, donc à la place de x ici, je prends x2 plus 2x. Donc je trouve racine de x2 plus 2x au carré plus 1. Donc ceci, c'est g rond f de x. Bon, on laisse comme ceci, ou bien on peut écrire, si on veut, g rond f de x, c'est la racine carrée de x2 au carré, c'est x4, plus 4 fois x3, plus 2x le tout au carré, donc plus 4x2, plus 1. Donc si vous étudiez cette fonction, x4 plus 4x3, si vous étudiez cette fonction,
eh bien, sur l'intervalle moins 3, 1, vous allez voir que ce tableau correspond. Voilà l'exercice. Merci d'avoir suivi.